fleur de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui, qu'il peut voir aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui, qu'il s'exprime aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est avec nos mains qu'il construit aujourd'hui, qu'il construit aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu absent, c'est avec notre cœur qu'il redonne la vie, qu'il redonne la vie. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Les Salvinos avec un pile remède. Collège noir, collège à Sontag ont réputation remarquable. Et nous avons fait une première émission qui était extraordinaire. Mais nous voulons une émission sans gens qui écoutent. Et nous voulons que c'est nous-mêmes qui parlions. Et que nous avons très peu d'interventions de la part de moi-même et de Monseigneur André, excepté vers la fin. Donc, nous avons commencé par les présentations. Sur Virginia, vous voulez présenter Tétou? Bon, je ne vais pas faire une longue présentation parce que nous tous nous connaissons déjà. C'est Sœur Virginia André, une sœur de Sainte-Croix, l'ancienne directrice du collège Regina Somta. Très bien. Et après, et la semaine dernière. Côtoyer qu'on est en Haïti. Non, présentement, moi, au Canada, je m'attends pour m'entrer en Haïti. Je m'attends de vol pour m'entrer en Haïti. M'a tout fait cette introduction hein, pour ne pas retourner encore, pour me permettre que quitter jeune pour la parole. C'est correct? Oui, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ok. M'a dit bienvenue dans la deuxième émission. Hein. Merci à Monseigneur Sansaric et à Monseigneur André qui a accepté l'animation pour nous. Merci à Frère Buteau qui a accepté toute coordination. Et m'a dit merci et bienvenue à Madame Martine, à Mademoiselle Diana, Mademoiselle Fabienne,
Mademoiselle Farah et Mademoiselle Love Avensa, qui acceptaient de participer ensemble avec nous dans l'émission cet après-midi. Malgré toute occupation que nous gagnions, l'heure que nous parlé avec nous, pas de monde qui était hésité pour te dire pas de problème, ma là. Semaine dernière, Jeannio t'a parlé en pile de qualité formation et recevoir dans le collège là et comment formation ça a continué à guider yo dans ce qu'il a fait journée aujourd'hui. Et en plus de ça, nous t'a parlé de toute évolution, structure, infrastructure matérielle dans le collège là depuis le commencé, depuis 62 ans. Nous t'a parlé de tout aspect ça yo. Après-midi, nous allons aborder un autre aspect. Nous-mêmes, nous allons parler de tout défi que nous avons rencontré dans le collège là et comment défi ça a façonné la vie. Nous connaissons le milieu scolaire là, il est chargé avec défi. Quel que soit ce côté professeur, yo, côté direction, côté tout personnel qui entoure la direction, hein, côté parents, côté élèves. Milieu scolaire chargé avec défi. Parfois, défi ça un petit difficile, mais yo servi nous comme repère, yo servi nous comme boussole pour nous avancer dans la vie. Après-midi, nous avons opportunité pour nous parler avec le public là, pour nous dire mais qui défi nous te gagné et mais qui ça défi ça fait pour nous. Alors, nous souhaitons nous toutes bienvenue, bonne participation et me céder la parole pour Lia à monseigneur Sansaric et à monseigneur Pierre. Merci beaucoup pour belle introduction ça. Et nous allons commencer par, moi sous tête licence, Nova Vensa André, donc dit qu'il est souillé et qui défie yo et puis surtout qui ça va pas accompli qu'on y a dans la vie. Bonsoir, moi c'est Nova Vensa. Moi dis merci à monseigneur André, bishop Sansaric et frère Buteau, et aussi merci à sœur Virginia de m'avoir invité. C'est un plaisir. Moi fais partie de promotion 97 à 2010. Par contre, j'ai quitté le pays en 2004. Donc moi fais études classiques moins aux États-Unis. Côté moi fini high school moins, après moi étudié à l'université. Côté moi prend des bacheliers et puis après mal fait maîtrise, côté prend des maîtrises et kounya là m'a fini en maîtrise en relations internationales. Donc c'est ça en gros pour moi. Ouais. Et ou pensez que ça te recevoir là à son temps et des wampil lancé wampil là succès ou, là, aux États-Unis. Absolument, parce que Regina t'a bâti nous pour nous te gagne discipline. Je me rappelle encore le nous t'es tout petit et puis avec sœur Virginia t'a gagne yon un son, premier son de cloche et un deuxième son de cloche. Premier son de cloche là c'était yon musique qui jouait et puis après c'était son de cloche réellement. Et le moment que nous tendez en musique là, tout le monde arrêtait toute sorte d'affaires, on commençait à marcher pour aller en ligne et tout ça t'est rentré dans nous yon sens de responsabilité. Parce que dès malgré nous t'es timon, t'es toujours dit comme ça que elle a affaire à de grandes filles. Donc ça t'est rentré dans nous que nous de grandes filles, quoi que nous t'es 9 ans ou 10 ans, chose comme ça. C'est magnifique, magnifique. Et qu'on y en a passé à Fabienne, est-ce que vous avez fait même bagaille? Ok, bonsoir tout le monde. Non, Pam, c'est Fabienne. Moi, je suis au CAP et je suis dans la promotion 2002-2016. Pendant le parcours, moi, dans junior, moi, j'étais comme directrice et sur Virginia André de 2002, de 13e à 2e année, puis de 3e année à 6e année. Moi, t'es gain et sur une nette pierre. Puis, dans le secondaire, moi, t'es gain pour me commencer ensemble avec sur Yannick et puis, moi, finis dans philo ensemble avec sur Virginia André en 2016. L'infini pour moi participer dans un cours allemand parce que moi, t'es joint une bourse d'études pour l'Allemagne. Mais malheureusement, on était obligé camper pour capable venir au Canada côté me faire
côté moi recevoir diplôme moi en gestion et comptabilité financière. Puis à présent, m'a travaille en tant que administratrice adjointe dans un collège privé, collège CDI Montréal. C'est tout. Donc vous aimez en pile les mathématiques et puis la gestion financière, hein. Oui. Une fonction très très importante. On a viré qu'on y est sous Anne-Marie Augustin. Martin. Merci, Monsieur Sotarik. C'est Anne-Martin Augustin. Moi, c'est promotion 2002-2009 en Regina avec ce Yannick Sefouadin. Je me réalise que c'est moi qui suis senior dans l'émission aujourd'hui. Hein. Moi, fais études à l'Université d'État d'Haïti, Port-au-Prince. Moi, étudie génie électronique dans la Faculté des sciences. Moi, récemment complété une maîtrise en génie informatique dans l'Université George Mason aux États-Unis. Moi, je vis à Houston. Moi, je travaille avec une compagnie qui est Halliburton. Moi, c'est un associate cloud engineer, un ingénieur cloud. Pour Jean-Régina Temakem, c'est vraiment un école qui m'a fait, surtout là, je suis commencé dans le sixième. Moi, j'ai sauté en classe, ça veut dire que je n'ai pas fait certificat. La moindre Régina dans le sixième, c'était vraiment difficile parce que moi, rentré avec pas promotion. Ça veut dire que c'est seul moi-même qui rentrait. Pendant que tout le monde dans l'école, moi, j'étais dans la primaire, moi-même, moi, j'ai commencé le secondaire. C'était vraiment difficile pour moi d'intégrer, surtout que j'étais avec la première promotion qui sortit dans le junior. Ça, so, j'étais vraiment senti difficile, comme si étrange, yon grain de singleton, parce que yon kon tout bagay, yon kon moun, yon kon l'école, yon kon ke bibliothèque lan ye, but moi-même, moi pas te vraiment connais vraiment. Mais, le map kite Regina, parcours que me fait, zami que moi gagne, c'est vraiment yon transformation extraordinaire. Moi kounye a, mka di meilleur zami, c'est des moun qui te avec moi dans le secondaire. Des responsabilités que nous avons dans l'école là, pendant que nous avons progressé, c'est vraiment des qualifications qui étaient avec moi jusqu'à présent. C'est magnifique. Et qui serait même le génie électronique là? Qui, est-ce que c'est une carrière qui fascinait ou qui aurait mis en pile et qui portait en pile contribution pour la société? En fait, moi, à l'étude du génie électronique, vraiment son histoire qui vraiment m'a dit étrange, pas vraiment parce que m'étais consalier, pas vraiment parce que m'étais m'aimer, c'était un défi que m'étais voulu lever. Moi j'étais fini dans secondaire, moi fini faire philo, moi rentré pour prince pour aller dans préfac et puis yon ami me dit m'pour aller inscrire faculté des sciences, il dit oh like comment faire pour la faculté des sciences parce que c'est l'école qui est très difficile, etc. Donc, c'est comme ça que je suis entrée dans la faculté des sciences plus par un défi, mais je suis entrée, je suis vraiment tombée, je suis vraiment aimée la programmation et qui c'est ça m'a fait qu'on y a plus ensemble avec la technologie pour capacité pour créer et puis servir en population. Certainement que la population haïtienne, non, c'est un service qu'ils ont besoin en pile, parce que très souvent, nous manquons d'électricité, tout pas d'électricité capotée pour améliorer la vie des hommes. D'accord. Qu'on y en attend des Farah, Ilvers. Oui. Bonsoir à tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi-même capable ensemble avec nous. Moi, je suis Farah Ilvers. Moi, j'étais dans la promotion 2003-2010. C'était Sœur Yannick qui était directrice à l'époque. Donc, Jean-Anne-Martin se dit à lui-même, c'est aîné. Donc, Anne-Martin, c'était aîné. Et moi, vraiment content avec nous. Pour me parler de parcours, l'homme qui était collège Regina Assomta, je suis allé dans l'école des infirmières de la sagesse, qui est l'école nationale des infirmières au Cap-là. Et ensuite, l'homme fini avec l'école infirmière. Nous allons faire service social Saint-François de Sales et puis nous allons monter Port-au-Prince ensuite. Là, nous allons Port-au-Prince, ok, moi étudier droit. Comme moi j'ai commencé à militer dans la question de droit fille, moi, c'est ça qui t'a poussé à me prendre droit en fait. Parce que j'ai envie de prendre droit et ensuite prendre droit à humain, etc. Et puis après droit, moi j'ai vu sortir un livre qui s'appelle Une âme, une flamme, qui parlait de violence qu'a faite sous femme.
Et c'est comme ça, mon ambassade américaine de Remarkem, j'étais venue pousser, pour capable faire plus d'études dans ce les droits de femmes. C'est comme ça, j'étais venue aller à Washington, à Inter-American Defense College, côté que j'étais prendre des conférences, des séminaires sur les droits humains en général, mais sur la question de défis que filles a fait face dans la société. Ensuite, après IADC, j'étais venue responsable plaidoyer et contre la violence basée sur le genre dans l'organisation Femmes et Forces. Et c'est ça, moi, jusqu'à présent, toujours responsable plaidoyer contre la violence basée sur le genre dans Femmes et Forces, bien que moi, à distance, dans ce moment-là, je vis aux États-Unis. Mais avec technologie, toujours, et fait même travail là, toujours, et le projet, toujours gérer le projet pour Femmes et Forces. Merci en pile. Certainement que c'est des bagages, des services qui sont essentiels en Haïti et en Floride. C'est une inquiétude, nous, c'est que toute grande qualité, ça y est, qualification, ça y est, qui est tellement utile pour le pays. Mais finalement, il y a au bénéfice de l'étranger. Mais m'espérer que nous, qu'aimer l'enfant, que nous désirons, vous mettez connaissance, nous, le développement Haïti, là, le sauvetage d'Haïti. Merci beaucoup, Farah. Qu'on y a été, c'est Dana seulement qui était que nous pouvons entendre. Bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Dana Wok. Moi, c'est Mounocap. T'es Regina de 2001 à 2015. Et ça veut dire que je fais presque un problème. Je viens dans Philo là. Et t'es une trois directrices. C'était Sœur Virginia André avec Sœur Winnet Pierre en primaire et puis Sœur Yannick Silfradin pendant tout parcours mon en secondaire. Et l'homme fin fait philo Regina, moi monté Port-au-Prince côté moi faire une étude majeure en sciences informatiques et puis une étude mineure dans gestion des entreprises École supérieure infotronique d'Haïti. Pour qu'on y ait, moi, à travailler en tant que consultant en informatique focale, qui c'est Fondation Connaissance avec Liberté, une fondation qui supporte individus avec organisations, qui booste dans des domaines qui ont rapport avec l'éducation, art, culture et puis développement. C'est tout. Oui, ben nous-mêmes qui vivons en Haïti, ben y a une idée sur. Et éducation en Haïti, est-ce que gagne bonne éducation en Haïti? Est-ce que université yo gagne des bons professeurs? Est-ce que élèves yo a brillé ou bien que nous abaille dans les écoles, dans les collèges, en sorte de éducation de niveau plutôt faible? Sans penser. Des photoniques et photoniques. Toujours renommé comme yon nan pire pour l'école qui baye informatique. Donc, les rentré, bon, li m'a pas dit totalement que l'te comblé à tante mouen, mais comme li pas comblé à tante mouen, m'te fait en sorte que en pile bagay, m'fè recherche, ok, parce que m'kone nan université, c'est 40% yab ban mouen, et puis 60%, c'est moi même pour qui batet mouen, c'est moi même pour qui cherche elle. Ça veut dire si professeur a fin fait un coup. Donc, j'ai toujours comme si j'ai un engouement pour me chercher qu'on peut plus. Ça veut dire pour un jeune qui pas fait recherche et il y a toujours qu'à plaigner pour éducation en Haïti parce que normalement université ou pas besoin de boire tout c'est au même pour chercher cela. Une réflexion très riche. Est-ce que l'autre est d'accord avec réflexion ça? L'importance de la recherche pour compléter sa profession à bail. Oui, tout à fait. Martine? Oui. Parce que moi-même, personnellement, moi étudie en Haïti. Moi fais licence moi, en Haïti. Moi étudie à la faculté des sciences. Et bien entendu, infrastructure, c'est un défi parce que nous vraiment manqué dans l'infrastructure. Mais je trouve, surtout pour moi qui fait des domaines de informatique, qui est vraiment plus facile pour former tête tout, vraiment il y a plus de ressources qui sont disponibles qu'on y a. Bon, c'est ça qui fait des filles en moins. Et l'aime t'est venu ici aux États-Unis pour me devenir faire maîtrise moins. Moi, pas t'es senti comme si moi t'es manqué base en quelque sorte.
Est-ce que Houston, quand on y est, une bonne communauté haïtienne ou bien une communauté haïtienne n'a pas existé comme tel, quelques grains haïtiens comme ça? Est-ce que une communauté haïtienne à Houston? Il y a vraiment une grande communauté haïtienne à Houston. Que even au cas aller dans un événement tant qu'on va aller dans un parc en décembre, moi rencontrer une famille haïtienne juste comme ça sans pas te planifier. Donc oui, vraiment il y a une grande communauté, restaurant et l'église en Houston. Very very good. Maintenant Farah qui sort un pour mettre sous ça nous sortons de yon. Oh, Jean, Dana, quoi ça dit? Je pense que au monde qui dans université, si on attend que professeur a pas bon toute bagaille, on toujours que ou manque. Jean Martin ça dit, faut qu'on complète, faut qu'on y a des technologies, nous plus ou moins qu'à éduquer tête nous. Donc faut qu'on complète qui ça a bon. Moi-même, dans la faculté de droit, je ne vais pas attendre que je tape tout le bagage. Je connais bien d'avance que je vais orienter vers le droit de femme. Ça te fait que je vais faire un pile recherche sur le droit de femme, sur toute convention, tout traité, tout bagage qui a rapport avec le droit de femme. Ça fait que je vais arriver à l'Inter-American Defense College. Je ne vais pas arriver à son monde qui est égaré, à son monde qui ne te connaît. Mais dans la faculté de droit, en soi, bien que je vais avoir un cours de droits humains, je n'ai pas tellement parlé de droit de femme parce que ça. Je n'ai pas tellement rentré dans le sujet ça parce que ça. Donc, toute recherche que j'ai fait, j'ai venu servir comme base qui t'a fait que je n'ai pas arrivé à Washington de bras vide. J'ai qu'à bailler opinion, j'ai qu'à participer dans toute discussion qui t'a fait. Yo. Et dans la discussion, j'ai venu apprendre de l'autre camarade qui était dans l'autre pays. Donc, apprendre de l'autre. Et ça vient guider notre travail. Ouais. Est-ce que vous pensez que droit familial sont gros défis pour les femmes haïtiennes en Haïti? Ou bien vous pensez que femmes haïtiennes ont gagné autant de possibilités que garçons qui en Haïti? Ça vous pensez? Yo pas gagné autant, yo pas gagné même quantité possibilités avec garçons. Yo, et c'est dommage. Gagné deux bagages qui gagné dans droit femme. Gagné écrit droit sous papier. Yes, si yon konvansyon, gen aplike l dan la realite. Jiska apres, moun ap etone toujou, le ouè, yon fèm direktris d'antrepriz, yo ap etone toujou. Jiska prezan, monsye yo senti yo menase pa yon fi ki tava chef yo toujou. Jiska prezan, gen moun ka fè rekrutman, ki djou yo pa pran fi nan tel pos, paske yo pense ke fi tro emosyonel, fi ap jere koze ti moun, fi pa bien assez temps pour consacrer à pour ça. Donc jusqu'à présent c'est de grands défis bien que Haïti signe convention CEDAW là, yo pas mettez yo, yo pas appliquer yo vraiment. Imaginez je dis en 2020, moun yo pas ko jam comprendre notion harcèlement en Haïti. Voilà. Moun yo pas comprendre notion harcèlement. Là on parle moun yo de harcèlement. Yo di non, c'est fi ka festil, etc. Fi reme ça, fi reme les moun asele yo, fi reme ça. Alors que, en fait, ou pas dans tête moun nan, ou pas ka décider qui sa moun nan pense pour lui. Et tout, ou pas ka prendre expérience passée ou avec l'autre fille, ou projeter sou l'autre fille que ou est dans la rue, c'est pas possible. Notion harcèlement flou, notion viol la flou. Donc, pour moi même, rete encore de grands défis. Qui pour lever en matière de droit des femmes en Haïti. Au niveau des collèges, des universités, est-ce que il y a plus garçons qui étudiant pas ces filles ou bien que c'est même bagaille? Il y a définitivement pas, il y a pas même bagaille, il y a pas même bagaille. Puis plus non, garçons pas ces filles. Puis plus garçons pas ces filles, non seulement ça, gain de aspect par exemple tant que technologique que Anne-Martine étudier ou après plus garçon aller dans ou après fille qui essayer aller dans yo moun décourager ou dit ça pas un matière pour fille étudier fille pas bien assez force pour faire ça li pas semblé fille donc il a cherché décourager mesdames yo là yo essayer rentrer dans des domaines comme ça m'pa konn si Anne-Martine ou bien l'autre monde qui étudie informatique ka ban un petit cas de expérience yo et en tant que fille dans la
J'aimerais ajouter à ce que Farah a dit, hein? Bishop Sansarik, si vous me donnez la permission. Oui, certainement, certainement. Parce que j'avais pas précisé au commencement, parce que j'ai fait mon premier bachelier en droit et le second en droit pour les femmes. Donc, je connais exactement ça, Farah dit de lire. Et pour moi-même, dans l'opinion pas, je crois que Haïti est zéro en affaires de femmes et droit pour les femmes. On n'a pas aucun, absolument aucun. Parce que l'homme a un minimum. Ça pas veut dire que juste parce que il y a un petit minimum non veut dire que il y a assez pour le cas contre ou bien assez pour être quelqu'un. Problème moi avec droit de la femme commencer dès non petit âge qui vraiment petit. Me songe que m'étais l'un d'étudier le masculin en position le féminin et son m'a quand même pas la sœur Virginie dernièrement et ça m'a vraiment marqué toute ma vie le fait que dit que si gain pas qu'elle fille là, mais qu'il y a un seul petit garçon, on ne peut pas dire il, pas elle, et ça m'a vraiment manqué. Donc, on croit que le fait qu'on a cette règle de grammaire-là, et tout est basé sur cette règle-là, il fait que le moment que yon fille paraît d'un côté, on croit que tout le monde qui est à l'école, déjà, ouais, ça veut déjà ouais, que ben, si il y a un garçon, on va prendre un garçon en temps parce que le masculin repose sur le féminin. Donc, pour moi, c'est déjà cette petite base-là qui cause que. C'est decay. I don't know how to say decay. Cap cause. Pas trouver le mot. Ouais. Et qui sera nous-mêmes ou même Farah à partir de la Floride, qui influence au Cap bien sur société haïtienne, le domaine ça. Bon, ça qui gagne, c'est que même que gagne une communauté haïtienne qui est assez forte Floride. Mais en pile nan moun yo, yo te levé Haïti ou alors moun yo levé nan famille haïtienne côté que moun yo pa vle ouvri tèt yo sou le monde. M pense que ou kapab gade culture haïtienne nan pendant que ou ap louvri sou le monde, pendant que ou ap pran sa ki bon nan monde la. C'est pas parce que en Haïti, yo te apprend nous mais c'est comme ça pour lever ti garçon, c'est comme ça pour lever ti fille pour ou di OK c'est ça qui bon. Et expérience moi dernièrement avec un monde qui habite en Floride, malé la caille et puis il a fait manger petite garçon dit mamie et moi vie apprendre faire manger pour ça pas aider maman dit non on pas voulait pour connaître son fille pour tomber dans faire manger. Donc ça veut dire que bien que moun yo nan pays côté que yo wè yo a levé fille avec garçon son droit d'égalité d'équité mais famille haïtienne yo même yo toujours voulait faire balance la penche, yo toujours vle mette mesdames yo en bas, qui pas bon, qui vin fait que si fi haïtien yo leve nan même schéma que yo pas ka rempli des grandes fonctions, yo leve nan même schéma que yo supposé marer ou bien enchaîner la caille, marer ou bien enchaîner la cuisine et que grand poste pas pour yo, grande fonction yo pas pour yo, grande discussion yo pas pour yo et c'est dommage que moun yo pas prend ça. C'est dommage que yo pa prend ça qui bon nan États-Unis. C'est dommage que yo pa prend ça. C'est dommage que yo pensais que yo supposé venir là avec tout ça qui pas était bon que yo te joine Haïti. Mais bien ouais. Oui, qui est-ce qu'a parlé c'est Martine. Moi vais ajouter oui parce que ça ferait ta dire moi même personnellement moi fais une expérience côté là moi t'es dans l'université, moi t'es seulement nous t'es seulement 4 filles. Sou environ 71 moun nan promotion an. Mais par contre, m te vle fè balance lan côté yo monsieur qui était dans promotion yo en général, yo te vraiment traité nous bien. Dans sens parce que nous minorité, parce que nous comme si dans sens porté nous en quelque sorte. Mais dans même porté a parfois ou senti des réactions qui montraient des on t'a dit des pensées sexistes, on va fond dans domaine Fara et non. Afin ça ka essayer comprendre ou bien formuler ça m'a dit hein? Mais c'est un coup yo ka di oh al parler avec un professeur dans sens si nous voulons schedule si nous voulons reprogrammer un examen yo veut c'est un fille qui peut parler avec un professeur donc dans sens si c'est un fille qui a parlé avec un professeur décision gen droit différent que si c'est un garçon qui a parlé avec des bagailles n'ta di minime comme ça mais qui quand même faut sentir Est-ce que nous pensons que c'est un problème réel
qui méritait que en Haïti nous travaillons sous les nous-mêmes but éducation, c'est précisément de rendre des fans des monde qui ont un esprit créatif et que nous engager nous non seulement peut-être pas nous pour famine mais également pour société hein. Et est-ce que nous pas tellement entendu Fabienne, nous va tellement parler jusqu'à présent Fabienne qui sort à Cap-Dine sur ça. Oui, c'est un problème à... Pour moi-même, c'est un problème à gérer. Mm-hmm. C'est un problème à gérer parce que même dans le milieu et travail moyen, c'est toujours comme ça. Étudiants ont toujours demandé pour changer de programme parce que tel programme, c'est typiquement pour filles. Tel programme, c'est pour garçons. Et est-ce que vraiment, moi, je ne travaille dans le milieu ça? Est-ce que si moi-même, je m'entre dans le domaine Early Childhood Education, est-ce que vraiment, si moi-même, mon garçon, je vais aller dans le domaine ça, y a un parent à quitter, si mon ça, et si mon dit non même, tout ça, c'est toujours, il y a toujours des complications. C'est vrai, c'est un bagage à résoudre. Et ou même Dana, ou même Gab vivant à... C'est la même expérience avec Anne, parce que m'de infotronique, classe en dernier 80 monde, à peine qui te gagne 4 ou 5 filles. C'est vrai, monsieur Patom si agi avoir est trop drôle, mais ou gen l'impression, yo tellement protégé ou comme si ou vin wè ça. C'est trop, parce que ou comme même j'ai ensemble avec ou, ok, ou même j'ai avoir ou vin étudier informatique, moi-même vin étudier tout, bon, pas besoin qu'un special treatment. Et pas ça, aucun spécial. Oui, qui fait que yon objectif mwen, mde ka di yon défi tout, c'était le ma fini pour mgon profil professionnel qui viable, pas parce que m'son fi, mais c'est parce que m'vraiment gen compétence là. Donc m'pense que ça vraiment son problème pour qui gérer. Bon, là nous fin tande tout ça, qui ça nous t'a remis proposé collège Assunta que le cab ajouter là programme pourquoi pour les garçons d'again filles garçons qu'on y a n'est-ce pas hein les uniquement les filles pas pas OK d'accord est-ce que d'après tout ce que vous entendez vous pensez que gagne des éléments qui cab permettent une certaine évolution de programme nous ou bien nous pensez que précisément et que ça nous a pour fruit hein? C'est ça qui permet que nous produisons des fruits de cette qualité. Je crois que ça a été montré nous avec ça a bâti nous avec, qui permet nous de venir nous aujourd'hui. Hein. Par contre, pour ça qu'on venir, hein, grâce à l'expérience nous fait, nous avons souhaité que au moins vous montrer comment vous changez une voiture. Comment vous changez une voiture dans la machine. Non, mais c'est vrai parce que le nous-mêmes nous rencontrer avec le problème ça, ils disent comme ça que Aurélien Garçon vous a aidé. Ils n'ont pas appelé ça parce que ils ont bâti nous, pour nous camper sous deux pieds nous. OK? Donc, nous n'avons pas arrivé à un côté pour nous là, nous pas rendre nous utile parce que c'est pas ça, Régina a bâti nous pour ça. Donc, si vous avez inclus certaines choses dans pour bagay yo pense ki pou garçon entre dans programme nan activité m'pa songe mo yo activité optionnel voilà oui c'est ça yeah mais même par expérience moi te fais Regina moi trouve que yo vraiment t'es contraire de tout ça nous a parlé parce que ça nous a parlé là nous a parlé de on a dit de culture en Haïti en général mais comme si culture qui t'a développé Regina ma expérience femme est vraiment différent surtout que nous t'es seulement fille avec dit nous pas vraiment en comparaison parce que c'est l'un binal dans l'école qui mixte nous commencer à pouvoir ça nous pas vraiment comme si en comparaison question ou comparer avec un garçon nous juste voilà. Des moules en quelque sorte des élèves et moi ça t'es vraiment on t'a dit ça était vraiment avantageux non sens que ou pas nous pas comme si on t'a dit entre question est-ce que me ca faire ça parce que me fille est-ce que me ca faire ça parce que me fille parce que nous t'es vraiment c'est nous responsable toute bagaille c'est nous qui dans comité classe c'est nous qui a organisé événement c'est nous qui fait tout ça qui gagne pour fête dans l'école là et me pas jamais vraiment senti que comme si ou c'est fille ou pas supposé faire ça me pas senti que gon limite que tu mettais l'air comme si dans message que nous te connaissons de professeur de staff là
Donc, nous avons souhaité que vous toujours continuez à faire ça, bâtir des élèves, puisque vous avez plus d'élèves, vous avez étudiants déjà, mais bâtir des élèves qui vraiment ont confiance dans la tête, dans le sens où vous pouvez aller loin, vous pouvez faire ça, vous voulez, vous pouvez accomplir de vraiment grandes choses. Et puis, aspect que je pense que corriger en quelque sorte, même parce que son tendance qui dans l'école Kaimé en Haïti, son question de zuzu. Peut-être qu'il y a nos zuzu dans le sens négatif. Dans le sens comme si, pas intégré avec l'autre monde. Parfois, les élèves qui, malgré quand ils sont dans l'école meilleure, ils ont comme si senti qu'ils ont une supériorité fausse envers l'autre étudiant. Yo. L'autre élève dans la communauté et puis qui permettent yon pas vraiment intégrer. Mais là où monte pas au prince, là où aller dans l'autre ville, où getan ouais différence là, il vraiment pas existé vraiment. So c'est seulement aspect ça me pense qui te cal renforcer dans l'école yo, bâti plus en collaboration avec l'autre école ensemble avec l'autre communauté pour tout monde capable plus impliquer dès plus jeune âge. Yo. Alors, oui, qui est-ce qui t'a parlé, qui l'est? Fabienne, oui? Pour moi-même, moi, j'ai eu la chance de participer dans le scout ensemble avec l'école là. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé à m'impliquer dans le travail équipe, sur les relations ensemble avec le monde, sur la formation de moins et jeudi. Et c'est une expérience que j'ai vraiment, vraiment aimé parce que et nous pas seulement été dans l'école là ensemble avec élèves de l'école là, nous t'ai participé ensemble avec l'autre groupe dans l'autre l'école, tout ça ça te permet moins de dire ça élargir horizon. C'est une bagage que nous t'ai participé dans l'école là que vraiment vraiment que on pas oublier et jusqu'à présent et Canada moi tout continuer participer ensemble avec scout et si on t'a âgés et les vieux participer parce que il y a monde qui plus way sous s'ils c'est des affaires de monde qui est un peu fou. C'est super. Tu veux dire scout c'est un bagage qui fait après mal. C'est so, presque recommandation oui, ça on saute faire déjà implémenté en quelque sorte. Ouais. Là tu as activité vraiment qui t'a aidé nous faire apporter avec l'autre l'école, l'autre monde et en même temps aussi nous te fait approche et pas seulement comme si nous pas traité c'est vrai groupe pas nous on te gain seulement tifi mais nous te gain l'autre groupe qui te mix tout ça so nous te apprendre et esprit de comme si on montrait nous esprit de compétition tout ça c'était vraiment une belle expérience. Ouais. Okay, oui, oui, qu'est-ce qu'il a parlé? Farah. Moi même ça me t'a voulu ajouter nous c'est monde capable utile tête nous demain mais m'ta vle que même Jean sœur Virginie a te fait année dernière côté que m'ta le bail conférence sous Jean Regina m'ta prémé que Regina yon fois par mois ou bien yon fois par trimestre continuer Jean de conférence ça yo pour ti moun yo parce que m'étais étonné après conférence sous Jean m'étais fait m'étais étonné quand c'était ti moun qui t'a vinn joindre moi qui t'a subi violence qui pas même rendre compte que c'est violence y a subi si ou pas connaît ça qui violence là si li minime ou bien li médium li capable bon ou pas même rendre compte que c'est violence y a subi m'étais étonné ouais quand c'était ti moun qui dit que soit maman yo soit ma tante yo ou bien soit yo même a subi violence soit dans mes frères, soit dans mes cousins, soit dans mes papas, soit dans mes autres filles pareilles. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que c'est violence ça te est, parce qu'ils ne peuvent pas connaître ça qui est violence. C'est que nous continuons avec nouvelle génération ça qui est venue là pour nous continuer à dire qui ça qui est violence, pour nous continuer à dire tout le monde. En tant que tu as des partenaires encore qui privent que le monde n'est pas supposé aller là-dedans, même s'il est papa, même s'il est maman, même s'il est cousin, même s'il est frère, parti ça est privé. Yo pas supposé aller là-dedans. On t'a remis vraiment que nous continuer genre de conférence ça parce que nous avons vraiment vraiment besoin. Li très grand quantité dégâts violence fait dans la vie ti moun yo très grand. Li marqué physiquement, li marqué psychologiquement, li konn fait que yo raté vie yo. Donc faut que ti moun yo konn ça qui violence là pour yo reconnaître li et pour connaître qui ça pour yo fait, l'elle présenter devant yo. Quoi que nous mettions doit être nous sur des problèmes réels, très profonds,
qui vraiment marqué caractère moun. Ouais, gagné plusieurs aspects. Premièrement, fille à garçon bon de fête, fille à garçon, quand même gagné des distinctions entre yo. Et au bon profil différent, mais il y a tout de monde à part entière. Je suis que Monseigneur André va vous poser ce bagage ça. D'ailleurs, mettons Diana là-dessus. Avant nous pour Monseigneur André. Okay. Avant Père André d'apporter Diana. Ok. Ah, c'est que tout ça m'a pas dit, l'école là déjà montré nous confiance dans tête nous. Qui fait que bon certaines clairvoyances que me dégagne depuis le mal dans faculté donc dès qu'à décortiquer que voilà bon j'aime te dire tout à l'heure et un traitement comme si plus spécial que à bon moi et que ça pas qu'à normal. Surtout l'homme l'école vraiment que c'était seulement fille pas de chambre qu'on ouais mon appé comme si essayer protéger moi comme ça donc c'est mesdames ont dit toute bagaille et ça fait me battre avancer encore parce que ont dit toute bagaille. Oui, merci Père André. Merci Bishop Sansari, merci Sœur Virginia et merci toute nouvelle génération ça qui c'est Nova Vensa, qui c'est Anne Martine, Fabienne, Farah, Dana. Moins content ouais Haïti gagne espoir. Mais surtout moins ouais l'information nous te recevoir. Nous recevoir information dans langage psychologique et relé holistique comme si qui large et qui embrasser la vie. Moins ouais nous pas seulement recevoir information pour la tête intellectuelle. Nous te recevoir une formation en même temps pour qu'il y ait une formation physique là-dedans, parce que moi, nous bien campé, bien portré, non? Moi, nous te recevoir une formation spirituelle, tout, parce que moi, nous, on fondait dans sa nabdia. Une formation qui, formation monde, formation humaine. Comme si qui parlait sur développement monde, qui ouait l'avenir monde, et puis qui ouait qui j'en monde capable de changer la vie. Ça, nous allons poser question, comment nous ouais demain? Mais je nous dis là, j'ai l'impression que c'est à toi, si Basio nous déjà gagné un mais nous, Regina a son tâte et nous, même si c'est ton l'école qui était seulement pour jeunes filles, et l'Itéban nous une base qui permet de nous capables faire face à toute situation dans la vie, garder la vie à plus devant, mais surtout, nous capables de comprendre pour nous créer une direction, pour nous donner une route pour demain. Comment nous voyons Haïti demain? Ça, c'est une question. Il y en a nous qui voulons capable de répondre. À tout le monde, riba moi. Je crois que si nous collaborer, nous avons Haïti meilleur, mais je ne crois pas qu'il n'est pas aussi vite à ce que je nous avais lié, parce qu'à chaque fois que nous pensons pour nous changer Haïti, nous pensons pas changer dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais je crois que même gens avec ancêtres qui ont besoin d'indépendance, ils ont pris pile de temps qui ont été organiser révolte ou pour te dire que c'est liberté ou mourir. Donc, je pense que si nous voulons mettre ensemble pour nous changer Haïti, nous ne mourrons pas jamais, moi, ça bien que je suis encore jeune, mais je crois que si nous vraiment voulons faire ça, nous allons quitter un Haïti meilleur pour petit nous. Donc, nous ne pouvons pas jamais un changement, mais nous allons commencer un changement que petit nous allons joindre et que nous allons jouer. Ou dire un bagage, tête ensemble. Oui, on est à parler à qui laisse, oui. Oui, c'était moi-même. Ma petite que problème haïtien, vrai ni ma vie là-dedans ni vraiment grave. Problème de sécurité, ça veut dire ou sorti jodi par contre si ou va rentrer kidnapping tout ça. C'est des bagailles qui vraiment frustrant et puis tout l'on a regardé qualité dirigeant nous yo. Donc par rapport avec choix n'a fait aussi vraiment vrai nous pas lever camper OK pour nous pas prendre modèle dirigeant ça nous vraiment pas ouais pas qui façon n'a pas avancer.
Parce que là, qu'on y a, et pour bon, connaissance, pour. Ok, président, parce que vraiment VIP, c'était Préval, c'est Mateli avec le président Sanouguel Lakonia. C'est eux-mêmes vraiment qui a dit que moi, j'en ai. Et son bail qui parle de mal en pis. Donc, son problème, on ne conseille pas pour dire, moi, qui, si nous faisons plein de 30 ans, qui pourra les résoudre, parce que non seulement on pourrait qualité d'éducation a diminué, on pourrait gain trop, on est capable de dire que gain trop facteurs, ok, pour côté développement, on va pas vouloir dire nous pas sous développement non, mais c'est que gon pile bagay qui pour faire, on paquet de travail qui pour faire. Et je pense que c'est nous-mêmes pour qui mettre maintenant patte là, si nous voulons ça faire, c'est qu'on bagaille Jean. Jean Nova Ben, ça se dit. Non. C'est qu'on va être capable de résoudre dans 10 ans, dans 20 ans, parce que nous vraiment, nous pas prêts. Donc, c'est pas. Quand même, il faut que nous mettions mes là-dedans, peut-être petit à petit, nous à bénéficier de lui, petit nous à bénéficier de lui. Donc, et engagement civique, nous, engagement politique, nous, il faut que nous prenions ça. Parce que si nous pas, si c'est pas nous-mêmes qui fait choix, on a quitté l'autre monde et la médiocrité fait choix pour nous, donc c'est normal pour ça, au fait. Donc, c'est normal, ouais, l'importance que depuis qu'on est à nous qu'embé lien ça, rapport ça, yo, réflexion ça, yo, que peut-être un leader a émergé l'amitié nous, qui a vraiment ramassé idées forces, et puis bâti, élargi cercle de réflexion, hein, juste sans que finisse un mouvement de masse, et mouvement de masse, n'a pas fait, tant que. Oui, c'est une sorte de délit, les cap prend temps, les cap prend 10 ans, mais au moins la débouché dans 10 ans. Tandis que s'il n'a pas fait rien dans 10 ans, la situation a vu une plus mal. Donc, c'est en gros leçon que nous joignent l'Assunta. Nécessité de être ensemble, de l'amour, de collaboration, de mettre ensemble différentes capacités, différentes facultés. Tout le monde pas même, mais chaque monde a un bagage qui a poté. Donc, si nous mettons ça ensemble, ça pourra certainement déboucher. Peut-être si vous écrit tout, écrit livre, mais il y a des cercles de réflexion à la base. Peut-être pas penser à un changement immédiat, mais que un mouvement qui pourra déboucher dans l'avenir, un avenir pas trop lointain, sur des changements réels. Voilà, la pensée, la réflexion. Bon, nous déjà bien près d'une heure, nous allons terminer et tirer compte ça. Et est-ce que qui laisse qui voulait dire un dernier mot? Nous chaque voulait dire un dernier mot, très bref, avant de terminer, oui. Juste avant de finir, je voulais ajouter un bas à Diana, Sodia, c'est que en Haïti, nous besoin d'une prise de conscience collective. Côté, c'est pas comme si moi-même pour arrêter tant ou même ou porter changement pour moi-même, c'est moi-même me lever camper, vous-même ou lever camper, l'autre la lever camper, puis nous-même nous mettez main ensemble, nous faire ça gué pour faire si et a bien changement, mais c'est systématique. Merci Fabienne. Je voulais ajouter, si vous avez un peu positif, nous avons tout comme si, parce que les choses tellement difficiles en Haïti, nous avons tout comme si nous évaluons la situation, nous disons, oh, les choses ne sont pas bonnes, nous ne sommes pas mal, nous ne sommes pas faim, nous ne sommes pas mal. Mais si on regarde vraiment, quand on dit comme si, oh, éducation, qualité d'éducation, nous ne sommes pas mal, est-ce que c'est vrai qualité d'éducation, nous ne sommes pas mal? Parce que les étudiants ont une possibilité, par exemple, pour use internet, use ordinateur, peut-être plus moun à l'école, plus moun kon li, mais le fait que nous une situation qui est vraiment très difficile, ça empêche nous ouais progrès qui a fait là, même si il y a un petit progrès minime, mais c'est ce que nous pas qu'à négliger et négliger que il y a un pile travail qui se pose fait, mais pendant que n'a ouais, qui s'est supposé faire, fon célébrer tout, progrès qui fait.
pendant que nous avons avancé, pendant que bah yo difficile, mais quand même c'est pas comme si c'était en 1987, c'est même genre pour comprendre situation et kounya. So m'passer c'est ça m'était vle fini. Haïti bah vraiment difficile, nous parler des dirigeants, mais c'est juste yon contexte qui est vraiment difficile. Donc et dans ce sens ça c'est pour nous applaudir bel travail qu'a fait là à soldat. Un travail extraordinaire. Promet moun ta pou nous et que moun ta pou nous yo k'a mette tête ensemble et k'a travail pour vraiment changer bah là. Exactement. Et c'est Dana ou déjà parlé non dernier mot hein? Diana ou déjà dit dernier mot hein, non. Dernier mois, c'est appuyé Anne. C'est vrai, bah, yo pas fin bonnet, mais gen de ti bagay ka fait, ok? C'est gade sa. C'est minimum sa nou gen, c'est kembe la ke, et puis gade, et sa, et, comment, gongo proverb ki di, et, ensemble. On peut être sous fourmi, oui. Eh bien, sous fourmi. Non. Avec des petit à petit, ok. Petit à petit, l'oiseau. Ok, on dit. Patience, on va être fourmi. Oui. Avec patience, on va être fourmi. Oui. Et puis, à 20 ans, on va dire au dernier moment. Oui, parce que même là. Parce que même le changement n'est pas ça qu'a fait la vraie, il est vraiment minoritaire par rapport. C'est un coup de niveau de régression, un peu plus par rapport avec niveau avancement, mais on paraît trop négatif, ok? Parce que si nous tous. Bon, moi-même, pas négatif, sauf que je réalise, je garde bon, mais ça vrai, parce que bah, yo, yo pas bon. Difficile. C'est pas parce que c'est pas bon, ok, qui fait que je n'ai pas bon. Hein? Mm-hmm. Donc, nous connaissons le niveau d'éducation à pas faiblir. Quand tu es bon professeur, tu es qu'on vient en faculté. Ce n'est pas yeah, même nous qu'on yeah. Y a. Donc, qui ça me fait? Donc, et m'apprendre plus par rapport avec les possibilités que nous avons avec la technologie au bas nous. Donc, c'est comme ça pour nous rester. Faut que nous ne pas dire ça pour nous trop optimistes, mais tout, c'est pour nous garder. Faut que nous réagissions. Mais ça qui gagne, et puis bon, mais ça, nous-mêmes. Magnifique, magnifique. C'est ça. Avec ça, deux mots seulement, parce que l'heure est arrivée. Mon dernier mot, c'est pour les jeunes. Si vous avez venu, oui, que c'est vrai que vous avez un ordinateur, vous avez un internet. Donc, utilisez-le, pas seulement sur TikTok, Instagram, mettez photos, Facebook et tout ça, mais prenez internet là, pour nous vraiment apprendre et étudier. Et surtout, quand vous avez fait l'heure, faire recherche, juste appliquez exactement ça, where you copy and paste et copier-coller. Donc, ce n'est pas ça en recherche du tout. Donc, cherchez à connaître comment faire recherche et faire de bonnes recherches et utiliser Internet pour bien, pour apprendre, pas seulement pour entertainment. C'est ça, very, very good. Farah, dernier mot? Je t'ai parlé dans le même sens avec Avensa, vous me dites, jeune Mounio, quand vous regardez maintenant, pas utiliser Internet, pas seulement pour nous prendre plaisir, pour nous tendre, causer. La vie, belle la vie, jeune youtubeur a mené, yo voyage dans combien pays. Mais, bat pour ou utiliser Internet là tout, pour capable prendre un bagage, pour yon jour tout, capable même avec youtubeur ça, pour capable aller voyager dans pays ça yo. Pas chita gade, sa belle vie moun a mené, mais pensez à belle vie, pas autant que ou capable mené demain. Et c'est extraordinaire que dans moment là, yo gen possibilité ça. Merci beaucoup, d'accord. Monsieur André? Merci, merci. Ce n'est pas une question, c'est juste un constat. Moi, il y a un bon monde qui a un jugement équilibré. Nous, c'est ça, moi, dans nous. Moi, nous, c'est un bon monde qui fait un parcours extraordinaire. Nous, on passe Allemagne, Canada, Floride, États-Unis. Mais moi, nous, tous, c'est dans qu'on dit dans le pays PAM, AKE, que bon, on a un pile branche. Mais toute branche, c'est qu'on est sous pied. Alors, c'est ça, moi, dans nous, c'est un monde qui a poté Haïti avec eux, poté eux. Écoutez, vous parlez. Même bien, on souhaite, quel que soit côté nous arriver, songez, nous c'est plus bon ressource Haïti gagne. Songez, nous c'est un demain, un futur, non seulement pour Haïti, mais pour génération, pas nous, mais nous sommes une ressource pour l'humanité. Haïti fait merveille dans l'histoire. Haïti ouvre route pour un pile l'autre nation, un pile l'autre peuple.
Mon frère Pounier là, haïtien, nous y est, côté nous y est, faut nous représenter des modèles, modèle Haïti ça, modèle haïtien ça. Yo. Et puis, même si nous déjà gagné un master ou bien un diplôme dans infirmière ou bien dans droits humains ou bien dans électronique, connaît où la fête commence pour nous. Aller plus loin, nous capables pour nous tourner, faire Haïti tourner un point de ralliement, un point de référence. Compliment, collège Regina Assunta, sœur Regina, merci pour le travail, ça qui fait là, une formation globale, holistique, qui branchait sur le savoir, mais qui branchait spécialement sur l'humain, comme si sur le monde, avec toute dimension qui est dans le monde, pour permettre une interrelation pour le monde garder demain, pour le monde garder la vie, pour le monde bâtir la vie. Avec ça, compliment, et puis, continuez. Merci beaucoup. Et je dis à trouver précisément ces fêtes Notre-Dame du Mont-Carmel qui fait garder la Vierge Marie qui sont femmes totales. C'est une belle créature qui existait. Et c'est lui-même qui est icône. Il est pur, il est saint, mais il est intelligent et il est vraiment à vivre en communion avec Jésus. Et Jésus nous connaissait ses têtes de l'eau. Cap énergie, cap vision, et cap victoire à tout le monde qui était en communion avec lui. Donc, par l'intercession de Maman Marie, c'est pour le collège Assunta continuer le travail, et puis nous-mêmes, anciens élèves, qu'embé lien nous avec le collège Assunta pour que nous vraiment développer une vision qui permette que, qui motiver plus le monde, puis rentrer le mouvement transformation pays nous. Donc c'est pour bon Dieu qui remet nous. C'est pour bénir nous, bien béni, papa, tout ce qui là, avec l'Esprit Saint. Hein. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci mon Seigneur Sansari. Merci à chacune. Merci mon Seigneur André. Merci frère Buteau. Et merci à vous, mes chères demoiselles. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, on reste en contact. D'accord. Merci beaucoup. Laisse ta main prendre ma main. Monsieur, pourriez-vous chanter avec nous, s'il vous plaît? Préparons le monde de demain. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Encore une fois. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde.
table. Laisse ta main prendre ma main. Toi, petit garçon, peux-tu chanter avec nous? Préparons le monde de demain. À toi. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Oh, merci. Laisse ta main prendre ma main. Vous aussi, monsieur, vous pourriez chanter avec nous? Ah, c'est gentil. De demain. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Encore une fois. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Merci, formidable. Ta main prendre ma main et madame, vous pouvez chanter vous aussi? Ah, c'est gentil aussi. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Bravo. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Vous savez, c'est une chanson de fraternité. C'est celle qui a ouvert les Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, tout doucement. Laisse ta main prendre ma main et préparons le monde de demain. Je vais vous demander de prendre la main de votre voisin comme ceci. Nous allons faire une chaîne d'amitié et on va se balancer tout en chantant, bien sûr. Laisse ta main prendre ma main.